Et j'ai demandé donc à trois artistes que j'ai désignés moi, que j'ai sélectionnés, d'en sélectionner trois autres totalement librement. Je leur ai laissé une liberté totale en fait. Je leur ai dit, vous sélectionnez qui vous voulez. Et à ces trois artistes que vous sélectionnez, vous demandez à chacun d'en choisir encore trois avec la même liberté. C'est-à-dire que vous-même, vous n'aurez pas plus de regard sur les artistes que sélectionneront les artistes que vous avez sélectionnés que moi, je n'en ai sur les artistes que vous sélectionnerez. C'est compliqué à suivre, mais en gros, bon, voilà, j'en choisis trois, qui en choisissent chacun trois, qui en choisissent chacun trois, et on finit à 40, avec juste avec trois étages. Et ça va très très vite. Et du coup, chacun peut être à la fois artiste, presque, pas ceux qui sont en fin de course, mais et commissaire. Donc en fait, moi je suis le commissaire initial, mais à chaque étape, il y a des commissaires intermédiaires de l'exposition. Donc d'une certaine manière, je suis le commissaire parce que j'ai proposé le concept, je l'ai écrit, j'ai eu l'idée et je l'ai lancé. Mais quand je vois le titre d'exposition commissaire Marc Molk, je suis un peu dubitatif puisqu'il y a, il y en a beaucoup dans l'exposition qui ont choisi d'autres artistes et qui auraient pu en choisir d'autres complètement. Donc en fait, il y a beaucoup plus qu'un... Enfin, je suis très loin d'être le seul commissaire d'exposition. Je suis le commissaire initial.